c'est tout le monde, c'est Atomania. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 17e épisode de Pokémon Ultra Lune. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrivés presque à l'épreuve de Barbara. Dans cet épisode, je pense qu'on va faire l'épreuve de Barbara. Hein. Voilà. Mais d'abord, je vais voir un petit peu le passe. C'est bon. Bon. Allez hop, go pour l'épreuve de Barbara. Allez. Allez hop. On va voir, tant pis, on va battre les danseurs après. Hop. Allez. On va prendre la boule. On va prendre la boboule. Vous trouvez une scuba boule. Ouh, nickel. C'est bien ça. Allez. Maintenant, on se dirige vraiment vers l'épreuve. Allez. Allez, par là, l'épreuve. Allez, l'épreuve de la. De la jungle sombre feuille. Allez, maintenant c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et tout à l'heure, vous retrouvez donc du Super Mario 64 à 18h. Hop, la forme. Et bienvenue dans la jungle sombre feuille pour mon épreuve. Alors, tu es prêt? Oui, je suis plus que prêt. Une chose saute aux yeux dès que on voit tes Pokémon et toi, c'est que vous allez bien ensemble, comme un plat bien équilibré. Oh, ça c'est gentil. Sur ce, en avant pour l'épreuve de la jungle sombre feuille. Début de l'épreuve. Tu sens le souffle? Oui. À peu près. Allez. L'ultra de Barbara, je me demande quel goût ça a. Allez, je reçois. Je reçois le sac d'ingrédients. Et on met le sac d'ingrédients. J'explique pas le bazar que ça ferait si tu mettais tout dans ton propre sac. Bah moi ça me gênera pas. Viens, je vais te montrer où il est. Oh purée. Par ici? C'est par là? Ouais bah ça brille. Donc ça doit être par là. Allez, hop 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 hop. Tiens, les Mimantis sont hyper. Peut-être ils ont sorti ta force, ou l'autre. Tu devrais pouvoir trouver des mêmes épaules dans le coin. Ouais, je devrais pouvoir en trouver quelques-unes. Ouais. Hop, oui, allez, je vais... Là, non, c'est pas des mêmes épaules, c'est une même ago. Allez, hop. Alors, quoi? Tu veux sortir de la jungle? Faudrait que tu refasses... Mais non, je veux pas sortir de la jungle. Ah non. Te donner la bébé peau, enfin la bémago. C'est bon, oui, j'ai trouvé le bon ingrédient. Et c'est bon, merci. Et on passe à l'ingrédient suivant. Ah. C'est bien ça. Allez, hop, y va. Deuxième ingrédient. Et tu trouveras du miel près des fleurs qui poussent dans la jungle. Mais attention, plus il y a de fleurs, plus les Pokémon sont attirés. Oui, t'inquiète pas. Alors, il faut du miel. Par là, peut-être. Voilà. C'est un buisson très fleuri. Oui, je vais prendre un peu de miel. Voilà. Hop, maintenant. On y va. On va vers Barbara. Ah, cet épisode, je pense qu'il va pas durer très longtemps, vu la tronche de l'épreuve. Parce que nous sommes déjà à 4 minutes. Hein. Allez! Hop! Allez! On trouve souvent des grosses racines à la base des arbres qui ressemblent à des simulars. Mais attention, car parfois il s'agit bel et bien de vrais simulars. Reviens me voir quand tu auras trouvé le bon ingrédient. Des grosses racines. Oui, il y a une Pokéball. Je vais tout de suite la prendre. Vous mettez la grosse racine dans le stack que vous a prêté Barbara. Alors, je vais tout de suite la prendre. Un défense plus. On va visiter un petit peu. Hein. Visiter un tout petit peu. Oh, une poule aux soins. C'est nickel. Non, je veux pas quitter la jungle. Bah non. Allez, hop. Hop, hop, hop. Allez, hop, on y va. On y va, on y va, on y va. C'est bon.
Allez, c'est bon, tu as trouvé le bon ingrédient? Oui, je te préviens, si jamais un Pokémon convoitait, oui. Voilà. Allez. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Et... ouais, allez. On n'a pas mis longtemps pour chercher les ingrédients. Oh, un petit Mimantis. C'est bien ça. Mais malheureusement, on a déjà notre sixième Pokémon. On n'a même pas de forme Lalo là. Alors, un Mimantis sauvage apparaît. Prédaster, go! Allez, ça va aller niveau 17. Et morsure. Ah, j'aurais peut-être dû faire toxique. Ah. Feuillage. Allez. Morsure. Et... ouais, c'est bon. C'est bon. 130. Bon, ça va. Rouge de batte qui monte au niveau 25. Ah. Oups, Mimantis n'a pas apprécié qu'on lui vole son repas. Bah ouais. En même temps... voilà. Allez. Encore un autre Mimantis. Oh, c'est mignon, ça. Allez, un Mimantis sauvage apparaît. Ils sont chez Mimac. Alors, Mimantis, ça, cette fois, il est au niveau 21. Hop. Non, dommage. Dommage. Alors, je vais essayer de l'empoisonner, celui-là. Mais bon, ça va pas le gagner. Voilà, je vais l'empoisonner. Ah, toxique. C'est bon. Est-ce qu'il est gravement empoisonné? Ah, il est gravement empoisonné, donc ça va faire plus de dégâts. Ah, mais il va perdre beaucoup de points de vie. Il va perdre beaucoup de points de vie, le Mimantis. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Et hop, une petite morsure. Ouh, le coup critique qui fait mal. Ah, ça fait mal, hein. Hop. Et... ouais, il perd de plus en plus de points de vie. Et hop, morsure. C'est bon. Ouf. 200. Ah, personne ne monte de niveau. Personne ne monte de niveau. Ah, on dirait que tu as ôté le miel de la bouche de ce Mimantis. Maintenant, on mélange le miel avec la masse osse que m'a prêté Kiawi. Et enfin, on ajoute une grosse racine. Simula. Ah, je vais peut-être en profiter pour me soigner un petit peu. Hein. Ça serait peut-être bien. Allez, le Simularbre. De toute façon, il va pas me faire mal. Il va pas me faire mal, j'espère pas. Allez hop. Allez, une petite super potion. Et... fléau. Non, ça va. Ça fait pas très mal. Et petite vibre à quoi, voilà. De toute façon, il est très lent, ce là. Et... dommage. J'aurais dû faire l'attaque Z. J'aurais dû faire carrément l'attaque Z. Et pourquoi je vais pas changer de Pokémon avec l'attaque Z. Et super tourbillon abyssal. Allez hop. C'est bon. Il va mourir, je pense. Il va mourir. Allez. Hop. Allez, nous sommes qu'à 9 minutes quand même. Ah, cette épreuve, elle est pas longue. Mais j'ai peur un petit peu que... j'ai peur un petit peu pour après. Parce que je sais quel Pokémon il y a après. Mais le Simula, il est KO, c'est bon, il abandonne. 755 points d'expérience et ça lui permet de monter au niveau 23. Non, il n'a pas de d'attaque au niveau 23. Allez. Les Simulards aiment bien parfaire leur camouflage en déposant une grosse racine à leurs pieds, mais il n'a pas dû apprécier que tu gâches l'effet de son déguisement. Ok, et pour finir, l'ingrédient,
Elle l'a gagné en finale. Tada, l'ultra barbargon est prêt. Une odeur bien particulière commence à émaner du récipient. Du fin fond de la jungle, quelque chose approche. Oh purée. Oh. Comme dans Pokémon Soleil et Lune, le Floramantis. Le petit Floramantis. Allez, c'est bon. Ah, c'est bon, là, ça va être bien. Ça va être bien. Predastar, go! Je. Alors, est-ce qu'il. Oui, il absorbe la lumière, mais grâce à la pouvoir, il va pouvoir justement faire ça. Donc, justement, il est mort. Ouais. Ah, putain, je voulais l'empoisonner quand même. Allez, hop. Je sais ce que je vais faire avec champ en feu. Ne vous inquiétez pas. Ah, purée. Et en plus, il fait. Il fait l'appel SOS. Un kick Léon. Bon, ça va, il va pas lui faire de mal. Hop, micro-charge. Ah, j'espère que le kick Léon, il est pas très rapide. Play croix. Ah, ça va. Ouf. Allez, hop. Ah, dommage. Ah, ça va, j'augmente ma vitesse. Mais bon. Ah, mais par contre, je baisse ma défense. Ça, c'est pas bon du tout. Allez. Ah, c'est bon. Je suis plus rapide que le Mantis et le Pokémon. Ah, c'est très bien si tu pouvais. Donc, nous. J'ai pris une bonne balayette. Zénith, aïe. Zénith. Alors, est-ce que j'ai de quoi lutter contre le. Plus énorme. Non, en plus, je suis en feu. Il est. Ouais, voilà. Il aurait pu faire quelque chose sur le soleil. Allez, Floramantis. Piqûre sur Floramantis. Allez. Synthèse. Tu me fais synthèse. Ah, est-ce que j'ai des rappels pour les piqûres. Ouh, ça fait assez mal quand même. Hein. Ça fait assez mal. Ça fait très très mal. Allez, piqûre encore une fois. Allez. Allez. Le jeu. Youhou, le jeu. Attendez. Synthèse. Il va pas pouvoir se faire synthèser indéfiniment. Au bout d'un moment, je pense que je vais faire un coup critique. Dommage. Uppercut. Allez. Bon, ça va. On va faire un petit coup critique, mais ça va. Alors, attendez. Rappel. Ça va, j'ai 12 rappels. On est nickel. Lame solaire. Il absorbe la lumière. Allez, non, ça peut pas être bon. Ça va pas être bon. Purée, 14 minutes. Allez, rouge de batte, c'est à toi. Il est voulu au niveau 48, rouge de batte, on est d'accord. Allez, hop, attendez, j'ai que deux hyper potions. Allez, une super potion, ça devrait suffire. Ah, purée, lame solaire. Grâce à leur pouvoir. Ah non. Ah non non. D'accord. Voilà. Les rayons du soleil s'affaiblissent. Ah ça c'est bien ça. Les tranchées. Sur les deux. En plus c'est sur les deux. C'est nickel ça. C'est nickel. Allez. Utilise Play Croix. C'est pas efficace. Enfin c'est pas efficace mais ça fait assez mal.
le flanc amortissant éviter l'attaque. Oh purée, c'est chaud. Allez, champ feu, tu peux le faire. Nitro charge. Allez, hop. Allez. Regardez, je suis rien. Le flanc amortis utilise plaît, quoi. Alors. Nitro charge. Voilà. Ça augmente ma vitesse. Yes, Zénith. C'est ce que je voulais. Je voulais que tu fasses ça, mon petit Cléon. Parce qu'en fait, là, si on balance une attaque de type feu sur. Enfin, une attaque de type feu sous le soleil, bah, sa puissance est augmentée. Champ feu utilise nitro charge. Et. Non, c'est pas bon. Bon, moi, c'est. La balayette. Ça va, ça m'a pas tué. Mais ma vitesse a bien baissé, quand même. Mais c'est pas grave. Le fleur amantis, lui, va crever. Voilà. Allez. Ciao. Ciao, fleur amantis. Je reste plus rapide que toi, malgré tout. Allez. Voilà. On a battu le fleur amantis, au moins. Voilà. C'est bon. Mais il nous reste le Cléon à battre. Zoro monte au niveau 20, ça c'est bien. Il évolue bientôt, je crois. Donc je vois qu'il évolue, Allez. Hop. Nitro charge. On va faire nitro charge sur lui. Ouh, pas mal. Déguisement. Wow. Hypercute. Wow. Oh, mais ça fait un petit hypercute. Hein? Donc du coup, moi je peux te faire une petite attaque roche. Hop, allez, la petite attaque roche qui va lui faire du bien. C'est bon. C'est bon, on a remporté l'épreuve au lendemain. 680. Non, dommage. Ça lui n'a pas évolué. Ouais, depuis le dernier épisode, elle n'a pas évolué. Allez, c'est bon, on a gagné. Ben ça alors, à ta manière. Ouais. Oh là là. Allez, c'est bon, on a gagné l'épreuve. Alors on a gagné la Flora Zélite. On a gagné cette Flora Zélite, c'est bon. C'est bon, le genre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Voilà, je pense qu'on va aller soigner nos Pokémon quand même. Hein? Allez, tu peux te dépêcher là, je. Bah, bah, vous. Alors, oui, la Flora Zélite. Allez, hop, c'est bon. Alors, maintenant que tu as bouclé l'épreuve, tu peux attraper tous les Pokémon du coin. Ça te chante. Je serais même. Oui, on a fait le vol. Hop, tiens, la Flora Mantis n'a pas tout mangé. Kiawe et Nefi, vous voulez vous servir? J'ai mangé des baies, je n'ai plus ultra faim. Oh purée, oh mais c'est quand même méchant. Allez, bon, je vais apporter les restes alors. Sur ce, à la prochaine, Automania. Salut. Alors, mais. Oui, alors, tu peux peut-être me laisser. Ah, ouh, Estocorn. Est-ce que c'est une attaque de type insecte? Alors, tu te dis oui, allez. Oh, allez, mauvaise troupe. Ah, il nous emmène là-bas. Ça, c'est cool. Allez, ton manège de. Oui, plus qu'à passer la grande épreuve. Celle de. D'Alitia. Alors, c'est juste après la route 6. Allez, à toutes. Allez. Hop. Alors, on va voir pour le Stockholm. C'est une attaque de type acier, personne ne peut la prendre. Alors, là, on va soigner nos Pokémon. On va après se quitter là. Alors, hop, 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 hop.
Allez, c'est bon. Allez hop, oui, tu vas sonner les Pokémon. Allez. Et puis moi je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Mon compte Twitter également. Laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde.